Bon, ça c'est pas mal, non? Celle-là, ça fait Halloween. J'ai mis ça à Halloween. Le clown. Je n'en ai acheté 3, mais que noir, pas avec les dessins par contre. J'en ai acheté 3 pour 50 pesos, moins d'un euro chacun. Un gagouya, 2 euros pour 3 en fait. Il y a même des Ray-Ban, hein. Le mec il vendait police Ray-Ban au clé. Ah ouais, non, c'est de la marque, hein. Thank you, Guya. Pour être safe. Donc t'as les mecs qui sont au bord de la route comme ça, toute la journée. Et ils vendent des cagoules, des gants de moto, des lunettes, des fausses lunettes. Et voilà. Ici, si t'as pas de cagoule, sérieux, transpiration, la pollution, t'as rien pour te protéger la bouche. Le nez, faut avoir une cagoule avec un bon truc sur le nez là comme ça, ou sur la bouche, protection contre la pollution. Mais ici ouais, vaut mieux en avoir une. En France pas trop, ça va encore, ça dépend où t'habites après. Donc voilà, t'as plein de trucs comme ça, la nuit fait un sale brûlé, et t'as des restaurants comme ça aussi sur le bord de la route. Lui il a carrément mis son resto là en fait. Qu'est-ce que tu veux, lui il a mis sa table, il a mis son coin vaisselle là-bas, et là ils ont carrément un resto là-dedans aussi. C'est illégal, hein. Tout ça c'est illégal. Ils sont pas censés être là, mais bon, ils laissent passer de toute façon. C'est les élections en ce moment là, donc le maire il dira rien en fait. Le maire il fera pas chier et tout. Après les élections ils iront les virer à mon avis. Je crois que les élections c'est dans 2 semaines là. Après ils iront les dégager. C'est toujours comme ça. Avant les élections ils font rien. Quand il y a les élections là, après les élections là, ils font les trucs que personne ne veut faire en fait. Comme les travaux, ils font les travaux avant les élections. Ça, parce qu'à chaque fin d'élection, bon là c'est différent, ils relient, ça va être gros en plus, ça. Ils relient les sortes d'autoroutes en fait, donc ça c'est différent, mais en règle générale, avant les élections, ils te font des travaux de partout, parce que ce qu'il y a à chaque fin d'élection, le budget en fait, il repart à zéro, donc à chaque fois qu'il y a une élection, ils font des travaux à donf. Et ce qu'ils font en fait, la plupart, hein, genre ils vont dire au mec, bon ça c'est 1 million de pesos, ok, sur le papier tu mets 2 millions et puis on te passe 1 million 2, donc on te donne, on te paye en fait 200 000 de plus, ou si tu as le contrat, voilà, tu mets 2 millions et puis nous on te passe on te passera 1 million, quoi. Voilà. Et du coup, ils sont poches 1 million dans la pocket, dans la poche. 15 000 euros. Ouais, sérieux, c'est normal. Hein. C'est comme ça qu'ils font aussi. Depuis toujours. Ils font la corruption depuis toujours. Donc, quand tu vois qu'il y a les élections, ils se remplissent les poches avant. Ouh, c'est bon ça. Ça coûtait cher par contre. Si je vais choper avec ça, là, il va se faire entuber, mais complètement. C'est très interdit, c'est réservé pour la course en fait. Et eux, ils vont nous faire chier à bloquer la circulation. Allez, les bouchons de manille. Je suis pas très confortable à me taper le mec là, à passer comme ça. Ça me dérange pas de passer comme ça, là il y a personne. Par contre, s'il y a des gens qui arrivent en face, je passe au milieu. Bon, il y a une ligne continue, hein. C'est pas légal.
aux Philippines, en fait, c'est illégal d'être de l'autre côté. Même s'il y a une, même s'il n'y a pas une ligne continue, c'est très illégal et ils t'arrêtent en fait pour ça. Mais tout le monde le fait là, donc ça. Mais sinon, ils te font chier. Donc là, il y a beaucoup de bouchons. Hier soir, j'étais sur cette route là et il pleuvait. Il y a eu une super grosse pluie hier soir. Très très grosse pluie et il y avait une moto en dessous d'un camion là-bas. Heureusement, le mec était toujours vivant, il était sur le côté, il était par terre, mais la moto elle était par terre, elle était en dessous du camion carrément, elle lui avait roulé dessus. En règle générale, c'est un bon hélicoptère là, hélicoptère de l'armée sûrement. Donc là à gauche en fait c'est une partie de l'aéroport. Ça doit plus être la base militaire de ce côté là à mon avis que l'aéroport. Mais c'est l'aéroport à gauche qui est complètement dans le centre de Manille en fait. T'es là toi, hein? Ah ouais, lui. Mais il a un frein à tambour à l'arrière. C'est genre les dragues. C'est genre les courses de drag race, sa moto. Il a changé en drag race, tu sais, les Fast and Furious, machin, là. Avec le frein tambour à l'arrière, ils sont plus légers. Mais si, lui, s'il se fait choper dans la ville, là, ils vont l'enculer, hein. Ouh, l'amende qu'ils vont lui mettre. Moi, ça va, j'ai jamais de problème avec mon pot. Ils m'ont jamais fait chier. Je compte mettre la ligne. Là, j'ai toujours la ligne d'origine, j'ai le silencieux modifié. Mais je compte mettre la ligne d'origine. Changer la ligne en fait. Ouais, donc le mec il s'est bien fait éclater hier, malheureusement. Mais c'est. Comme je disais, c'est très commun ici de voir une moto par terre et le corps de quelqu'un qui est en dessous de la voiture ou à côté et qui répond pas. C'est très commun ici, tu vois ça. Malheureusement, tu vois ça une fois par mois facilement. Ça peut être très dangereux de rouler aux Philippines, surtout à Manille. Je sais pas ce qui est le plus dangereux entre Manille et la province à l'extérieur. À l'extérieur il y a moins de casques, moins de protection en règle générale. Les gens ils pensent qu'ils sont à l'extérieur, donc ça risque rien. Regarde elle avec ses belles jambes là, ça c'est un mototaxi, tu le vois direct. Il s'est passé, ouais, elle est pas mal la petite. Donc ça coûte 1 et 2 euros et tu vas partout où tu vas en fait. J'utilise ça en règle générale, les mototaxis. Si je sors le soir et que je suis au travail, je laisse mon moto au travail, je sors le soir, je prends un mototaxi. Il y a une application pour ça. Il y a une application pour ça et tu passes, voilà. Ça te coûte 60, 1 euro, 60 à 70 euros, 70 pesos, ça dépend où tu vas. Ça dépend la journée aussi. Bon allez, c'est chaud aujourd'hui hein. Il faut que je remette mon rétro de merde. C'est niqué en fait. Bon, je vais m'arrêter là, je vais me remettre mon rétro. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Regarde, elle est toujours là. Ah ouais, elle est bien hein. Elle est pas mal la petite. Elle a du charme. Bruit qui fait lui. Voilà ma trousse à outils. Ces rétros ils sont bien mais ils se cassent la gueule de temps en temps. Et à force là, si tu les plies trop en fait ils vont se niquer. Donc j'ai mis de la glue, j'ai mis de la colle là-dedans.
Et voilà, en dessous du siège de la CB, tu mets plein de choses, c'est bien. Je mets mon cadenas, je mets mon cadenas là, et j'attache mon casque là en fait. Très simple, très bien. En fait, mon pot, ça s'appelle Orion. Orion. Il y a une chicane dedans. S'il n'y a pas de chicane, il est beaucoup plus bruyant. Mais je vais me faire chier avec la police, donc je préfère pas mettre. Par contre, ça, la ligne, c'est tout d'origine. Donc il faut que je change. Donc on va voir. Ça devrait me coûter 60€ à changer la ligne. Donc je vais le faire. Ça va ou pas là? Bon, allez, on y va. J'adore le bruit par contre. Ça c'est un casse, ça c'est l'application que je te disais, les mototaxis. C'est illégal apparemment. C'est illégal parce qu'ils reconnaissent pas le gouvernement reconnaissent pas le mototaxi aux Philippines, donc c'est illégal, mais ça fait trois ans qu'il tourne. Parce que ça tourne quand même. Hein. Bon, il est fait chier de temps en temps, c'est tout. Mais c'est comme Uber. C'est comme Uber, il faisait chier et tout. Ils ont remis 2 millions de. Comment ça s'appelle? 2 millions de dollars d'amende à Uber. Ils ont fini par fermer. On a toujours un autre truc qui s'appelle Grab en fait. C'est comme Uber. Ça s'appelle Grab. Et c'est pareil. Ils ont racheté en fait. Grab, ils ont racheté Uber. Et ce qu'ils ont fait après en fait, c'est qu'ils ont enculé tous les. Ils ont enculé tous les chauffeurs. Bah ça c'est un Grab, voilà. Et ils ont enculé tous les chauffeurs en fait parce que comme ils étaient les seuls à faire le taxi comme ça, bah ils ont tout coupé en fait. Ils ont coupé l'argent. Les mecs ils prenaient de l'argent, s'ils travaillaient beaucoup ils allaient gagner plus en fait. T'avais un truc qui s'appelait incentive. Lui il est au téléphone ou réveille-toi. Et en fait ils ont tout coupé l'argent et ils les payent comme de la merde maintenant. Du coup il y a plein de chauffeurs qui ont raidé. Bon c'est comme ça qu'ils font de toute façon, non? Dès qu'ils ont le monopole, ils en profitent. Ces enfoirés là, nouveau. Ouais, c'est comme un A ça, New Driver. C'est comme un A. En règle générale, ils ne mettent pas ça ici. Ça me prend 10 minutes pour monter là. Cette putain de route. 10 minutes tous les jours. Le samedi, dimanche, quand il n'y a pas de. Quand il n'y a personne, ça prend 2 minutes de monter. Ouais, c'est bon. C'est pour ça aussi que je ne roulais pas avec une grosse moto, parce que sinon je vais me taper ça. La moto elle va choper. Elle va. Blablabla. La moto elle va chauffer et je vais rester coincé là-dedans. Là. Non c'est pas un M16, c'est un M16 ça, fusil mitrailleur, c'est le mec du SWAT en fait ça, je sais pas si t'as bien vu, je mettrai un slow motion, les mecs du SWAT en fait, qui partent au travail comme ça, donc ils partent au travail avec le fusil mitrailleur, là je sais pas ce qu'il avait, ça ressemblait à un M16, mais en règle générale ils ont des M16, et ils sont cagoulés comme ça, et ils vont au travail comme ça le matin, ils sont toujours en moto, en règle générale. Et ouais c'est impressionnant quand même, parce que nous on est pas, en France on n'est pas habitué à avoir des grosses armes comme ça. La police ils ont leurs flashballs et leurs armes normales, mais ici tu vois des fusils à pompe au coin de la rue,
normal, au calme. Tu vois des mecs comme ça qui se baladent avec des armes de guerre, on va dire, au calme, pas de problème. Donc des fois c'est impressionnant. Donc là ça va, je peux passer, tu sais. Par contre s'il y a quelqu'un qui arrive, je vais me coincer dans les... au milieu là. C'est plus risqué parce qu'il faut faire attention par contre aux connards de la droite là. T'en as certains qui font demi-tour au milieu comme ça, qui regardent pas, qui s'en foutent et qui vont t'accuser d'être de l'autre côté, même si c'est eux qui n'ont pas regardé, ils vont t'accuser de rouler du mauvais endroit. Voilà. T'en as certains, ils s'en battent les couilles d'avoir. Ils s'en foutent d'avoir une. De renverser quelqu'un, voilà. Je pense qu'à eux. Ça pue ici. Yeah.